C'est vraiment une douleur cinglante. Elle vient comme ça sans prévenir. Je ne sais plus combien de médecins j'ai vus. Des migraines ? Les antalgiques ne font rien. Des céphalées de tension ? Bah voyons. Je vais bien la plupart du temps, mais parfois ça me frappe soudainement. Ça me frappe juste derrière l'œil. Ça m'attaque comme une sorte de petit démon qui poignarderait ma rétine avec un pic à glace. Il arrive sans prévenir, sans pitié et sans remords. Il m'a attaqué alors que j'étais au volant. J'ai percuté une voiture qui était garée plus bas et ça m'a valu d'être poursuivie en justice. Ce n'est vraiment pas juste, ce n'était pas de ma faute. Quand il m'attaque, mes yeux larmoient et mon nez coule. Je n'y vois plus rien. Tout ce que je ressens, c'est cette douleur perforante, furieuse, comme s'il essayait de m'arracher l'œil. C'est arrivé une fois à mon travail. J'ai crié. Tout le monde pensait que j'étais fou. Il m'aura suffi d'un unique écart par rapport à la norme pour que me colle l'étiquette de cinglé. Personne ne me comprend. Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus conduire. J'attends juste que le démon attaque. J'ai essayé des traitements. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Les antibiotiques contre la douleur, les médicaments contre les crises, le yoga, la méditation, tout. J'ai tenté toute la pharmacie. Et puis j'ai expérimenté la marijuana, le percocet, même l'héroïne. Mais ils se moquent des analgésiques. Je me suis fait prendre avec du percocet. Depuis, mes parents pensent que je suis un criminel. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est le démon, c'est toujours le démon, il hurle. Il arrive. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il revient toujours. L'anticipation est presque pire que lorsque je suis poignardée. Toute la journée, j'attends. J'attends le démon. Parfois, il vient, parfois, il ne vient pas. Je crois qu'il se moque de moi. C'est vraiment injuste. Je n'ai jamais demandé ça. Un médecin m'a dit que c'était un mal de tête de type pic à glace. C'est ce qu'on ressent. C'est un démon avec un pic à glace qui me poignarde. Je le déteste. Je pensais pouvoir le frapper en réponse. Je ne voulais pas le laisser faire sans me battre, vous voyez ? Oui. J'ai pris mon propre pic à glace et je me suis arraché l'œil. Vous imaginez s'arracher l'œil ? Mais ça n'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé du tout. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Me suicider peut-être. Mais peut-être que je pourrais me débarrasser du démon en lui trouvant un nouvel hôte. Peut-être qu'il aimerait quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il s'en ira. Et je serai libre. Je retrouverai ma vie. Je sais que ce n'est pas juste. Mais toute cette histoire ne l'est pas pour moi non plus. Peut-être que si quelqu'un d'autre ressent un pic à glace dans son œil, il comprendra. Peut-être que le démon ira vers cette personne. De toute façon, tu es là pour ça. Je suis désolée, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. S'il te plaît, arrête de te débattre. Ça ne fera qu'empirer les choses.